Pour se déplacer, quoi de plus indispensable qu'une voiture? La voiture, un outil dont on ne peut plus se passer depuis plus d'un siècle. Et bien qu'il existe une variété impressionnante de modèles, quelques-uns ont su se distinguer par leur durabilité, endurance et fiabilité. Parmi ces derniers, la Toyota Corolla. C'est la voiture la plus vendue au monde de tous les temps. Avec ses 12 générations, depuis 1966, un peu plus de 49 millions d'exemplaires sont vendus partout dans le monde. Elle constitue le cœur de gamme du constructeur japonais et elle est présente sur tous les continents. Ce petit monstre peut parfaitement tenir plus de 400 000 km sans souci. La première voiture hybride au monde, la Prius, n'a pas manqué de faire ses preuves aussi bien en termes de fiabilité. Après sa première apparition, en 97, 4 générations sont depuis commercialisées. La dernière est sur le marché depuis 2016, avec deux versions, hybride et hybride rechargeable. Au salon de Los Angeles, en 2018, Toyota présente la phase 2 de la 4e génération, avec une version à 4 roues motrices. Cette sélection ne peut pas ignorer Yaris du même constructeur, qui est produite au Japon en 1999 et en 2001 à l'usine d'assemblage de Nain, au nord de la France qui alimente le marché européen. C'est d'ailleurs la voiture la plus produite en France, en 2016 et 2017, devançant même les modèles nationaux français. En 2012, elle devient la première voiture à obtenir le label « Origine France » garanti. Sa 4e génération a été annoncée en octobre 2019, avant l'ouverture du Salon de l'Automobile de Tokyo, pour une commercialisation prévue pour le deuxième semestre 2020. Honda Civic qui voit le jour en 72 est très fiable elle aussi. Elle se caractérise surtout par son design séduisant. En 2016, elle en est déjà à sa 10e génération. La 11e génération est présentée par le constructeur japonais le 17 novembre 2020 sous forme de prototype proche de la série, nommé Civic Concept. La Camry du constructeur japonais Toyota, c'est l'une des voitures les plus populaires aux États-Unis.
Sa première version a été lancée en 1979. Au-delà de sa fiabilité, en 2019, la Camry est la berline la plus vendue dans le monde, avec 19 millions d'exemplaires en 40 ans. On passe à la Subaru Legacy, très prisée dans les régions les plus froides, qui sont habituées à la neige, sans doute pour sa transmission intégrale, qui fait des merveilles dans ces situations. Sa première génération voit le jour en 1989, elle en est à sa cinquième depuis 2010. On termine la sélection par Mazda 6, d'un constructeur encore une fois japonais. Lancée en 2002, elle en est aujourd'hui à sa troisième génération commercialisée depuis fin 2012.